C'est la première fois qu'on peut exposer des objets qui ont été saisis et que l'on soupçonne être des objets pillés. Une antiquité pillée ou volée, c'est un bien qui a été soustrait d'une façon illégale du sol d'un pays qui en a besoin pour raconter une histoire. Les bustes qui sont présentés à l'exposition au musée du Louvre viennent d'une nécropole. Ce sont des demi-statues qui étaient destinées à être exposées sur les tombes. Et donc ça a été prévu que pour les nécropoles de Cyrénaïque. Donc on ne peut pas les retrouver autre part. Ce n'est pas comme une amphore, une jarre, une pièce de monnaie qui circule, hein, qui a vocation à circuler. L'objectif de cette expo, c'est de sensibiliser, d'informer la population sur le côté irrémédiable du pillage, du vol, des destructions. Donc c'est sensibiliser, informer, pour après que eh bien, les gens ne puissent plus dire « on ne savait pas ». On ne savait pas qu'on a acquis un bien d'Irak, de Syrie, de Libye, on ne savait pas qu'il était pillé. Là maintenant, on ne pourra plus dire ça. Contre le trafic illicite de biens culturels, c'est l'une de nos missions parce que ça contribue à protéger le patrimoine et notamment à le maintenir dans les pays d'où il est originaire. Et donc dans ces pays, on fait deux choses. D'abord, on essaye de renforcer la protection des biens culturels dans les musées ou la protection des sites archéologiques. Autre type de projet, ce sont des projets qui visent à contribuer à former tous ceux qui interviennent dans la lutte contre le trafic illicite de biens culturels. On a par exemple un projet dans le nord-est de la Syrie qui vise à renforcer cette lutte à la frontière entre la Syrie et la Turquie. Ce qui est merveilleux, c'est qu'on a de plus en plus de restitutions volontaires d'habitants qui se disent « voilà, j'ai trouvé ça, je vous le restitue ». Ça ne m'appartient pas, ça appartient justement à notre nation. Donc ça, c'est gagné, en fait, j'ai envie de dire. Et on assiste également à des restitutions internationales. On peut espérer, bien évidemment, que tous ces biens, et notamment les bustes, puissent repartir un jour là où ils ont été conçus, pensés, pour veiller sur les défunts, c'est-à-dire en Libye.